Et c'est parti sur tous les terrains. Rappel, il y a la restauration, le bar, boisson chaude, boisson froide, des crêpes, des glaces, n'hésitez pas, profitez, on peut également payer via le TPE avec carte bancaire. Allez, se prépare pour les matchs suivants sur le terrain Tahiti. Match de 11h05. L'Olympique de Béziers contre la Vanguardaise. Sur le terrain Bélarus. Étré contre l'US Touaré. Sur le terrain Serbie. Fleury-les-Aubrais contre le FC Chaland 2. Sur le terrain Hongrie. Saranfoot contre Fontainebleau. Ça, c'est pour les U13. Je laisse Stéphane annoncer pour les U11 de son côté. Merci. Come on, 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 come on
Alors je vous rappelle que le tournoi international à venir de Cramé, 5e du nom, est placé sous le sceau du programme éducatif fédéral, piloté par la Fédération française de football. Nous adhérons, nous, le FC Challans, à ce programme, bien entendu. Donc, il défend des valeurs de fair play, de respect, bien entendu, envers les arbitres, envers les adversaires, les partenaires, les éducateurs. Donc, on compte sur vous, les joueurs, les éducateurs, les parents, pour avoir une attitude irréprochable. On encourage son équipe, mais on ne dénigre pas les autres. Et ce programme éducatif va plus loin puisqu'il sensibilise également les enfants à l'écologie, à la santé, à la culture foot, à plein de versants qui leur permettent d'être à la fois de bons joueurs de foot mais également de bons citoyens. Donc on compte sur vous pour appliquer ce programme éducatif fédéral tout au long du week-end. C'est facile à faire au début, souvent ça l'est un peu moins quand l'enjeu augmente, donc il ne faut pas que l'enjeu prenne le pas sur le jeu. Merci à tous. Donc, amis partenaires du FC Challans 85 et du Tour international à venir de Cramé, je vous rappelle que vous êtes cordialement attendus à la Véranda Rideau située à côté de l'Arche du Conseil Général de la Vendée pour un moment de convivialité, partager le verre de l'amitié et vous remercier bien sûr pour l'aide indispensable que vous nous apportez dans le cadre de ce tournoi. Donc tous les sponsors sont attendus à partir de 11h30 dans la Véranda Rideau située à côté du podium et près de l'Arche du Conseil Général. Entre 11h30 et 13h, on compte sur vous. À tout à l'heure. Back on the deck!
Allez, se prépare pour les matchs suivants. Sur le terrain Tahiti. Dans un peu moins de 8 minutes maintenant, nous aurons le match olympique de Béziers contre l'avant-garde Canaise. Sur le terrain Bélarus, Étré contre l'US Toiré. Sur le terrain Serbie, Fleury-les-Aubrais contre le FC Chaland 2. Et sur le terrain Hongrie, Saranfoot contre Fontainebleau. Merci à ces équipes de se préparer. Allez, se prépare et se rapproche de l'entrée des terrains pour un coup d'envoi fin des matchs dans 5 minutes, un petit peu moins de 5 minutes maintenant. On se présente à l'entrée des terrains sur le terrain Tahiti, l'Olympique de Béziers contre l'avant-garde Canaise. Sur le terrain Bélarus, Étré contre l'US Toiré. Sur le terrain Serbie, Fleury-les-Aubrais contre FC Chaland 2. Et sur le terrain Hongrie, Saranfoot contre Fontainebleau. Merci à ces équipes de se rapprocher des oriflammes de l'entrée des terrains synthétiques. Je rappelle que sur le synthé, on est tous à l'oriflamme Kiloutou. Merci. Pour le pôle U11, je laisse Stéphane, mon camarade Stéphane, annoncer les matchs. Merci. Alors vous n'avez pas là vous. C'est quoi ta question? Ah ouais?
Alors, se prépare pour les matchs suivants. Sur le terrain Tahiti, l'Olympique de Béziers et l'Avant-Garde Cannes. Sur le terrain Bélarus, Étré contre l'US Poiré. Sur le terrain Serbie, Fleury et Zombray contre FC Chaland 2. Et sur le terrain Hongrie, Sarrenfoot contre Fontainebleau. Merci à cette équipe de se préparer. Il reste un petit peu plus d'une minute 20 secondes. Allez, on est dans la dernière, dans les dernières secondes du match. Allez aux équipes de se rapprocher vite rapidement de l'entrée des terrains.